Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette deuxième partie de La Nuit de l'Horreur, le Let's Play pour Hexen 1733, le nouveau jeu de Black Book Edition traduit de la VO de nos amis d'Ulysses Spiel. Nous sommes toujours en compagnie de plein de monde formidable, Chloé à ma droite. Chloé, toujours aussi contente d'être là, toujours très hypée par le jeu, très contente de voir tout ce qu'on peut faire et j'ai hâte de voir la suite de ce scénario. Super. Steve à côté. Alors, figure-toi que je travaille toujours chez Black Book Edition, entre deux épisodes. Ah, tu travailles toujours? Oui, ah, mais c'est fou. Ah, tu savais pas? Non. Ah, mince. On lui a pas dit que je travaille toujours ici. Finaise. Oui, je travaille toujours chez Black Book Edition, je suis toujours responsable des précommandes participatives. Et je suis aussi meneur sur un actual play qui s'appelle Le Mythe de la Taverne. Voilà. Et je suis très très content de jouer, c'est trop bien. J'adore, ouais. J'adore l'ambiance. J'imaginais ça un peu plus sombre, un peu plus dark. Et en fait, c'est un peu cinéma, on fait ce qu'on veut, on se déplace en sous-sens, on fait des pirouettes. Ouais. C'est trop bien. En fait, il y a des trucs sombres, mais finalement, c'est fun. Oui, c'est ça. Ouais. C'est sombre, mais fun. Mais c'est sombre, mais années 2000, tu sais. Genre Daredevil, Underworld, ouais. Blade. Ouais. Exactement ça. Par contre, je t'ai senti frustré, le tourbillon de la hampe. Ouais, ouais, ouais. Bon, on en reparle. C'est pas passé, ça. En face, nous avons toujours Steve. Oui. Steve. Steve Kétoni, qui est le deuxième site. Mais c'est vrai que typiquement, tu peux quand même les confondre. Alors moi, je suis Tony et je suis classe et je suis trop content. Et je ne travaille plus chez Black Book Edition parce que j'ai décidé de changer de vie et de rentrer dans un cirque et de faire des pirouettes et de jouer avec, avec une rapière. Non, voilà, moi, je m'éclate et j'ai très hâte de voir la suite et de faire ça en compagnie de Marianne. Moi, je suis toujours directrice artistique à Black Book Edition. J'ai l'impression que tout le monde me pique mon intro. Exactement. Et mon personnage est censé venir d'un cirque, mais j'ai pas encore fait assez de pirouettes, donc oui, je t'ai trouvé trouvé un petit peu léger en cabriole. Ouais, bah j'étais dans l'ombre, tranquillou. Ouais, j'ai laissé les autres faire le travail, écoute. On va peut-être bosser un peu cette fois-ci. Ça va peut-être être l'épisode de la vengeance pour la vengeresse. La vengeance. On va essayer de te donner des opportunités. Ok. Nous retournons donc à Jakobsheim. Ça vous va? J'ai une question. Est-ce qu'on a regagné nos points de coup? Alors, est-ce que le combat s'est terminé? Nous allons y venir, mais oui, on va commencer technique. Donc, suite au combat, donc, nous avons fini l'épisode précédent sur un combat endiablé. Les personnages sont arrivés, donc ils sont un groupe de chasseurs, sont arrivés dans le village de Jakobsheim. Ils y allaient simplement pour se reposer en cours de chemin. Malheureusement, en pleine nuit, des événements dramatiques ont eu lieu. Ils s'en sont levés, ils ne comprenaient pas trop ce qui se passait. Une brume a envahi le village. Et là, vous avez fini par trouver une horde de morts-vivants qui massacre visiblement les habitants du village. Vous avez eu un combat endiablé, très rapide. Vous avez massacré littéralement une douzaine de zombies. Au passage, vous y avez laissé de vos ressources, donc les fameux points d'action, les points d'idées que vous regagnez intégralement à la fin de suite à ce combat. Vous regagnez tous l'intégralité de vos points. Par contre, ceux qui ont été blessés, il y en a un qui a été blessé, ne regagne pas ses points. Là, éventuellement, il va falloir se soigner. Et donc, nous reprenons l'aventure. Alors que le combat vient de se terminer, le calme revenait au niveau de la petite rue où vous êtes. Néanmoins, dans le village autour, la brume règne toujours et vous entendez toujours au loin quelques bruits encore, des bruits sourds, des bruits de verres brisés, des cris de temps en temps. Voilà, vous reprenez votre souffle après avoir fait quelques cabrioles. Et vous avez le temps de réfléchir un instant à ce qui se passe. Quand vous voyez les vêtements portés par ces cadavres et le fait qu'ils sont couverts de terre, qu'ils ont l'air assez anciens, je pense qu'ils sortent de tombe. Je pense qu'aller à l'église, ça reste une bonne idée. Le cimetière doit être à côté. Tout à fait, j'allais dire la même chose. Moi, j'ai su mes yeux pleins de sang, parce qu'on se rappelle qu'il y a deux têtes de morts vivants qui m'ont explosé au visage. Et je dis oui, ok, je suis. Bonne idée. Johan, est-ce que c'est ton sang qu'on voit en plus de sang des zombies ou c'est... Non, effectivement, oui, je regarde mon bras et je fais non, mais c'est rien, c'est bon. Est-ce que tu veux qu'on te soigne un petit peu quand même? Oui, effectivement, il y a des traces de griffures. Oui, exactement. Les zombies ont essayé de le choper. Malgré l'imposante armure, il y a quelques griffes. Ces petites égratignures pourraient s'infecter, mon ami. Oui, je préférerais te soigner. Est-ce que tu as été mordu? Si vous insistez. Donc je fouille dans ma besace, je dois avoir de quoi désinfecter la plaie. Sens... de quoi frotter un petit peu la blessure, jeter un petit peu d'alcool sur le machin, et puis faire un petit pansement avec un mouchoir. C'est une bonne saignée, non? Non, ne mettez pas ça sur ma. Ne gâchez pas ce bon alcool pour moi. Tu peux me faire un test de... une épreuve de premier secours. Premier secours, c'est 6D. Ah, toutes tes réussites donneront un point de vie. Ah si, j'ai ça, mais j'ai 0. Eh ben, j'ai 2 corbeaux et 2 étoiles. Donc les 2 étoiles, ça fait 3. Une réussite. Donc 3 réussites, tu récupères 3 points de vie. Pas mal, pas mal. Je suis à 20 au lieu de 21. Quasiment à total. Tu peux pas s'incrire.
Et donc tu coches, tu as sur ta feuille, tu as deux petites coches en face de premier soin, ce qui signifie qu'en fait tu ne peux être soigné que deux fois par jour. C'est celui qui est soigné. C'est intéressant ça. Tu peux être soigné que deux fois. C'est celui qui reçoit les premiers soins. C'est ça. D'accord. Après ces petits soins, vous décidez donc de vous diriger en direction de l'église. Où est l'église ? Dans la brume, vous vous rappelez à peu près par où vous êtes passé. Donc vous essayez de retrouver votre chemin. Après, c'est pas un grand village, donc vous prenez la rue à la gauche, la rue à la droite, ça devait être par là. Et ce faisant, vous entendez des clinquements métalliques, un son qui vous est bien connu, qui est le son d'épées frappant, enfin un clinquement. C'est pas des épées qui s'entrechoquent, mais vous entendez des coups qui sont typiques d'un combat. Et vous débouchez sur une petite placette qui fait face à l'église, et vous voyez un groupe de morts-vivants encore, toujours eux, qui surgissent de la brume, nombreux, et qui sont en train de converger vers un homme, seul, qui semble plutôt âgé, et qui a typiquement la posture du guerrier. Vous voyez, un combattant professionnel, âgé, mais qui a toujours de la boutique, et qui abat son arme, qui fracasse la poitrine d'un des morts-vivants d'un coup de hache de guerre. De l'autre main, il a une hallebarde un peu semblable à la tienne, qui peut tenir d'une main, et il arrache un bras, il tranche un bras. Visiblement, il se défend sans problème, mais il est petit à petit contraint à reculer, à faire face à cette horde. Et vous voyez, il a l'aide, vous vous mettez à sa place, vous savez qu'il est en train de s'épuiser. Il est très bon, il est fort, mais il est en train de céder face à la horde de zombies. Et évidemment... On va remettre le couvert. Oui, on va se précipiter pour les deux. Vous vous précipitez vers l'homme qui est en train de se battre dans d'un dernier combat désespéré. C'est une horde de zombies à laquelle vous êtes fait face, le même type de horde de zombies que vous venez d'affronter. Et dans Hexen, en fait, on ne s'amuse pas à relancer les dés, on ne va pas combattre éternellement les mêmes monstres. Vous les avez déjà vaincus, il n'y a pas de nouveau challenge. Le combat va donc être plutôt narratif. On ne va pas jeter les dés, vous y allez. Johan... attire à lui les zombies, comme il a l'habitude de le faire. Il charge de toute sa masse pour secourir le guerrier, le vieux guerrier qui se bat tout seul, et tu t'interposes. Tu prends un zombie devant toi, un deuxième, un troisième, tu fais tournoyer ta hampe et tu tranches dans le vif. Pendant que Klaas entre au contact, en prend un à l'écart. Ouais, moi, je fais le tour, en fait. Je les fais les uns après les autres. Là. C'est ça. Tu as bien rodé ta technique, tu les prends. Maria, évidemment. Ninja. Technique ninja, tu te mets dans le dos, tu les prends, pareil, tu les liquides les uns après les autres. Pendant que Jeanne... Ah, moi, je vois qu'il y a un groupe amassé sous une espèce d'enseigne en fer lourd et je tire sur l'enseigne pour qu'elle leur tombe dessus. Excellent. Ça, ouais. Excellent, effectivement. Du coup, t'en emportes trois d'un coup. Tu recharges. Je recharge. Tu fais tourbillonner ton mousquet, tu tires un nouveau coup. Bref, le combat est rapide. Grâce à vous, le guerrier vient à bout des derniers auxquels il fait face. Et bientôt, en quelques instants, en moins d'une minute, vous avez là peut-être une quinzaine de morts-vivants que vous avez répandus. Est-ce que quelqu'un peut soigner ce bol à ce brave homme ? Bien sûr. Le brave homme s'appuie sur sa hallebarde, reprend le souffle. Ah, merci, étranger. J'ai bien cru que j'allais y passer cette fois. Vous avez... Déjà, est-ce que vous avez besoin de soins ? Je pense que vous êtes un peu... Ah, j'ai quelques blessures, mais rien de bien sérieux. On ne sait jamais avec ces bêtes-là. Ouais. Vous, un petit peu de soins, si vous voulez, je vous soigne. On va s'occuper de vous. Bien, bien volontiers. Mais le village a besoin de nous. Ils sont des braves gens, mais ils ne savent pas forcément se battre. Est-ce que vous comprenez d'où viennent ces créatures ? Oui, oui. Oh, je sais parfaitement à qui nous avons affaire. Mais je suis Siegfried. Autrefois, j'ai été combattant. Un peu comme vous, je pense. Vous affrontez les hordes du mal, vous aussi. Vous êtes des chasseurs. Nous sommes chasseurs. Tout à fait. Je l'ai été aussi, mais j'étais venu prendre ma retraite dans ce petit village. Et il y a quelques jours, le prêtre, est venu me solliciter. Il était inquiet suite à l'arrivée d'un étrange personnage dans le village qui était venu le voir pour avoir des informations. Il souhaitait au presbytère pouvoir fouiller dans les archives. Le prêtre
n'était pas rassuré. Et du coup, Père Edward m'a demandé de garder un œil sur lui. Donc je l'ai surveillé ces derniers jours, jusqu'à ce soir. Quelqu'un qui fréquentait la taverne ? La taverne, non, il se tenait plutôt à l'écart, mais je crois voir de qui vous voulez parler. Un adepte de jeux de cartes ? Oui. De Bruno. Ah, un homme avec une chemise bleue. Et effectivement, celui que vous avez vu qui était accusé de tricherie était un homme avec une chemise bleue. Oui, bon, Bruno traîne avec cet homme, mais celui dont on parle non, est... Non, on ne parle pas de Bruno. ...est un noble. Un certain Gerold von Freiberg. Ah, oh, ça a l'air d'être quelqu'un de peu recommandable. En tout cas, inquiétant, et je vous confirme, il est peu recommandable, vu ce que j'ai pu constater ce soir. C'est un nom qui fait venir quelque chose ou pas ? Non, a priori non. Tu me fais quand même un petit test de géographie. Géographie, c'est la connaissance à la fois des lieux et des gens. Géographie. Donc je lance 3, la somme c'est 3D. Et je peux utiliser un point d'idée ? Ouais, mais franchement... Allez. Et ben je fais 3D Janus, mais 0D Exxon. Ça fait quoi dans ce cas-là ? C'est pas grave, c'est comme c'est un avantage, donc tu as 3 réussites. Ok, j'ai bien fait. 3 réussites, ok. Alors, Gerold von Freiberg, tu connais pas en soi. Ouais. Mais puisque vous traînez dans la région depuis quelques jours, tu as entendu parler de la famille des von Freiberg, donc ouais. Une famille noble des environs. Petite noblesse, un peu comme toi. Pas d'infos particulières, sinon que un ancêtre aurait pu être mêlé à une bataille il y a quelques bien 10-20 ans. Ouais. Et il y aurait des rumeurs comme quoi il aurait pactisé avec les forces du mal. D'accord, donc c'est une famille qui a une réputation un peu sulfureuse. Ouais, en tout cas l'ancêtre, ouais. Aujourd'hui, ils ne font pas parler d'eux. Et donc Gerold ne te dit rien. Il est du coin ? C'est des environs. C'est pas immédiat, c'est à une paire de jours de marche. D'accord. Mais c'est une famille des environs. Un oublio local. Ouais, ouais. Et donc Siegfried dit, voilà, ce soir, je l'ai suivi dans les marais. Je regardais de loin, je pouvais pas m'approcher, et puis voilà, c'était... Mais... j'ai fini par comprendre qu'il a entamé une espèce de rituel, une incantation. Le temps que je réagisse et que j'essaye d'intervenir, il était trop tard. Les morts ont commencé à surgir de la plaine. Il y avait un ancien champ de bataille ici. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la bataille de Jakobsheim. C'était il y a fort longtemps. Et les cadavres qui sont là encore sous la terre, quel que soit leur camp, se sont relevés. Vous pensez ils ont que été cet envoyés homme, hein. sur Jakobsheim. Et j'ai couru vers le village pour essayer de prévenir, mais j'étais de l'autre côté du marais, j'étais du mauvais côté, j'ai pataugé et je suis arrivé trop tard. Vous êtes déjà bien battu. Oui, je pense que vous n'avez pas à vous sentir coupable. S'il reste encore des gens vivants dans ce village, c'est probablement grâce à l'alerte que vous avez déclenchée, mais vous avez une idée de ce qui pourrait motiver cette personne à envoyer ses morts-vivants dévaster ce village qui m'intéresse. Je ne sais pas, mais la réponse est probablement au presbytère, là où il voulait fouiller. Il y a des villageois qui sont réfugiés dans l'église. Je ne sais pas. Je crois avoir vu des silhouettes se précipiter dans l'église. Allons-y rapidement. Alors que j'y arrivais. Et alors que vous parlez, vous entendez petit à petit le calme revient dans le village. Vous n'entendez plus trop de cris, plus vraiment de cris. On voit des survivants, on entend des survivants ou c'est vraiment le village. Ça a l'air, les ruelles ont l'air désertes, sinon cette brume. Ouais, elle ne se désépaissit pas. Non, non. La brume est toujours aussi épaisse, toujours régnante. Toujours cette ambiance un peu lourde. Mais au moins, il n'y a plus de cris d'horreur ni de douleur. Les gens ont probablement eu le temps, pour ceux qui ont survécu, de se cacher. Et probablement que le moment maintenant est celui de l'angoisse où des morts-vivants doivent rôder encore à droite à gauche dans le village
à la recherche de victimes. Vous avez tué une grosse partie, mais il y a peut-être encore dans les ruelles. On rentre dans l'église ? Faut qu'on aille dans l'église. On peut aller jeter un coup d'œil rapide. Est-ce que l'église est ouverte ? Vous tirez sur la porte de l'église, elle est ouverte. Vous l'entrouvrez. Je rentre. Ça grince un peu quand vous tirez sur la porte. Je suis un peu mal à l'aise à l'idée de sortir mon arme dans un lieu saint, donc je la range. Je me signe en rentrant. J'essaie d'observer à l'intérieur, voir s'il y a du bruit, si je distingue du mouvement ou pas. C'est très calme. L'église est petite. C'est une petite église en pierre, en tout cas à base de pierre. Les murs sont en pierre. Mais elle n'est pas très grande, on est dans un petit village. Vous apercevez quelques bancs en bois, quelques travées de bancs avec l'autel au fond. Néanmoins, donc, tu entres, tu écoutes. Tu as l'impression qu'il y a des gens qui se cachent probablement au fond, du côté de l'autel. Et tu t'avances pour regarder. Effectivement, vous voyez, je sais pas si, mais j'imagine que vous avez suivi. En tout cas, voilà, vous apercevez quelques villageois qui se sont réfugiés tout au fond de l'église en espérant être cachés. Quand ils vous voient arriver au début, ils essaient de se cacher et ils finissent par voir que vous êtes des vivants. Ne craignez plus, nous sommes ici en amis et nous allons vous débarrasser du mal qui vous menace. Craignez un petit peu quand même, restez encore un peu cachés. Ils sont encore là, vous les avez tous tués. Oui, absolument. Mais restez à l'abri tout de même. Il peut encore y en avoir quelques-uns, mais nous allons nous en occuper. Ah, très très bien. Que devons-nous faire? Vous restez ici et vous nous dites ce que vous avez vu ou entendu. Ces créatures horribles, des morts qui marchent, et qui égorgent, qui tuent, nous avons couru. Est-ce que vous avez vu ou entendu quelque chose en provenance du presbytère? Non, le père Édouard n'est pas là, nous ne l'avons pas trouvé. Peut-être qu'il s'est réfugié dans au presbytère, mais nous n'avons pas couru jusque-là. Il est à l'extérieur de la ville, le presbytère? Juste à côté de l'église. Oui, okay. C'est à côté de l'église. Ah. Bon, barricadez-vous à l'intérieur de l'église et nous allons nous occuper du reste. Ouais. Ne sortez que si nous vous disons de le faire. Oh, très bien. Que si quelqu'un qui est capable de parler vous le dit. Ouais, voilà. On va peut-être mettre des bancs contre la porte, histoire de barricader l'église, leur dire un peu comment barricader, surveiller les issues. Ouais, alors l'église vraiment est très très simple. Donc il y a cette porte principale, il y a une porte qui donne à l'arrière sur les petites salles annexes où il y a le vin de messe, où il y a tout ce qui est liturgique, mais pas d'autre. S'il y a une porte à l'arrière, donc du coup, qui est verrouillée. Ouais. Et sinon, la porte principale est le seul accès. Okay. Donc du coup, dès que vous serez sortis, ils vont entasser des bancs pour faire. Et le presbytère, du coup, est à l'extérieur? Et le presbytère est une petite bâtisse qui est accolée à l'église de l'autre côté. Ben, allons-y. L'église, il y a de l'eau bénite? Ouais, il y a toujours un... Chioup. Un réflexe. Ok. Je vais demander aux villageois, est-ce que l'un de vous aurait aperçu Gerold von Freiberg? Qui ça? Un noble local. En tout cas, si un noble que vous ne connaissez pas, de fait, vous dites sortir, ne sortez pas. Très bien. Sauf lui. Oui. Est-ce que vous avez vu passer quelqu'un avec une chemise bleue? Bruno? Oui, est-ce que vous avez vu? Par exemple. Ça va toujours être Donc, il y a un homme qui s'avance. Bah, il était ce soir à l'auberge. Même qu'il a failli provoquer la bagarre. Là, où j'ai vu que vous l'aviez empêché. Ouais, il avait triché. Non, je ne l'ai pas vu depuis qu'il est parti. Très bien. C'est un vil gredin, ne lui faites pas confiance. Ça, je vous confirme, c'est un bon à rien, toujours dans les mauvais coups. C'est un fiefier ruchant. Un gredin malin. Vous croyez qu'il y a un rapport avec tous ces morts vivants? Ouais, sans doute. C'est toujours la faute de Bruno. Il chasse aux sorcières de Bruno. Il n'est pas sorcier, mais il a de mauvaises fréquentations. Très bien, allons au presbytère. Le presbytère, donc vous sortez, vous le voyez, vous ne pouvez pas le manquer, donc c'est une petite maison qui est sur le côté de l'église, elle aussi en pierre, pas d'étage, une simple maison. Lorsque vous arrivez, la porte d'entrée est fracassée. Yes. En tout cas, est entrouverte et visiblement la serrure a été un petit peu arrachée. Vous poussez la porte qui est ouverte. Vous voyez qu'à à l'intérieur, vous voyez que le chaos règne, en fait. Comme si il y avait un combat qui avait eu lieu ou quelqu'un avait retourné les lieux. C'est vraiment l'intérieur est très petit.
Donc une petite pièce avec une table, un endroit pour préparer le repas. Tout a été à moitié retourné et dans le fond, il y a un lieu plutôt destiné à l'étude en fait, avec une bibliothèque, mais la bibliothèque est renversée, il y a des bouquins qui ont volé partout. Enfin, c'est vraiment le bazar. Il s'est passé quelque chose d'assez violent qui fait que les lieux sont complètement dévastés. Est-ce que c'est plutôt les conséquences d'un combat ou est-ce que c'est quelqu'un qui serait passé et qui aurait cherché quelque chose en mettant le bazar? Il avait l'air de chercher un truc de base. Ouais, est-ce qu'on arrive à déterminer si c'est quelqu'un, c'est un groupe de personnes qui se sont battues ou si c'est quelqu'un qui aurait mis le bazar en cherchant quelque chose? Tu peux me faire une épreuve de détection. Donc c'est perception plus détection. Enfin, donc du coup, c'est ta compétence détection qu'il faut voir. De toute façon, il n'y a pas de marre de sang là, il n'y a pas de cadavre. si on voyait par exemple une trace de poussière qui montrait qu'un objet qui correspond pas à un objet. Vous pouvez tous, si vous cherchez tous, vous pouvez tous faire un jet de détection. Ouais. C'est possible de faire des actions en coopération par exemple? Ou par exemple si chacun participe, de s'aider mutuellement Là dans la mécanique, on va faire simple. Je vais bien dépenser. Alors je fais 4 succès. Alors, si vous voulez, vous pouvez dépenser des idées, mais. Bon, il est normal. Ouais. Il n'y a pas d'enjeu majeur. Hein. Oh waouh! Oh wow. Je me rappelle, un succès suffit. Quatre corbeaux plus deux étoiles. Là, on sait qui a construit la maison, avec quel matériel. On a l'architecte, la date exacte de fabrication. Soit le numéro de série des pierres. Qui a réparé un meuble. Ça, c'est du do-it-yourself, je reconnais. Ouais. Non, pour répondre à ta question, très clairement, c'est un peu des deux. C'est une réponse de Normand, mais okay. Oui, il y a visiblement eu un combat. Ils ont cherché quelque chose. Et les lieux ont été fouillés. Alors, comment tu sais qu'il y a un combat? Parce que tu vois un pied qui dépasse de sous l'étagère. Ok. Et il y a une main qui cherche le propriétaire du pied. Voilà, et tu vois qu'en fait, tu regardes un petit peu, tu vois qu'en fait, il y a un corps qui est recouvert par la lourde étagère. Le lourd meuble. Donc, vous mettez ensemble, vous, avec Johan, vous redressez la bibliothèque. Donc, il y a plein de livres qui se sont répandus. Et donc, vous voyez un homme. Plutôt jeune, dans la vingtaine, à l'approche de la trentaine, cheveux sombres, et qui sans vie, les yeux ouverts. Il est à moitié sur le côté, là, il a les bras à moitié comme ça, et vous voyez sa nuque qui est bien violacée. Okay, il a visiblement eu un coup sur la nuque. On va chercher un des villageois, on lui demande est-ce que vous reconnaissez cette personne, est-ce que c'est le prêtre? Mais attends, mais est-ce qu'il est habillé avec des habits oui, pardon, c'est ton pour moi. Oui, il est habillé, il porte la genre, il écrit prêtre sur son front, il a la soutane, genre, est-ce que ça serait... C'est un prêtre catholique, okay, prêtre, avec une église catholique, et il a clairement la soutane du prêtre. Donc sans aucun doute, le prêtre local. Ils ont tué le curé. Avec un badge, hello, my name is prêtre. Ah, il a aussi des hématomes sur le visage, mais vous qui avez souvent fréquenté la mort de près, vous êtes prêt à parier que ce qui a causé sa mort, c'est un coup sur la nuque. Mm. Donc ça a l'air d'être humain comme fait. Oui, c'est pas fait manger par un zombie. Il n'y a pas de traces de griffures comme ce qu'on a pu voir avec les gens éventrés à moitié dans la maison d'avant. La bibliothèque est en bazar, mais est-ce qu'on peut éventuellement remarquer qu'il manque certains livres? On s'imagine que c'est compliqué. Alors, difficile de distinguer s'il manque des livres. Effectivement, les livres semblent avoir été farfouillés. Vous distinguez notamment, il y a des livres qui sont étalés quand même, qui ont été mis en avant. Des chroniques paroissiales qui concernent les années 1691 à 1694. Comme vous pouvez voir sur la couverture, enfin vous ouvrez l'intérieur, donc il y a une page de garde. Donc c'est sur ces années-là, donc des chroniques qui ont été écrites par le prêtre de l'époque, parce que le nom qui est indiqué ne correspond pas au nom que vous a donné Siegfried. Elles sont anciennes. Et les dates sont assez... Ouais, les dates, c'est il y a quand même 40 ans. Ouais. Les gens, ils s'en souviennent plus trop. C'est des chroniques oubliées. Ouais. Hey, joli. Et donc, le prêtre s'appelait August Jakob Schneider. Il y a d'autres livres qui se trouvent par terre, donc des chroniques encore d'autres années. Je précise que ce sont des textes rédigés en latin. Est-ce que l'un d'entre vous aurait la compétence domaine de savoir? Oui. Avec au moins un en valeur de compétence. J'ai 5. C'est parfait, ça veut dire que tu parles le latin.
tu pratiques le latin. Je suis pleine de surprises. Moi, j'ai zéro. Je pensais que je parlais le latin, mais j'avais été proche de l'église et tout. Eh oui, t'as été proche. Je te garde du corps. T'en as pas profité. On va prendre la liturgie en latin. Nous, on est les pégus. C'est démoniaque avant. Exactement. Classe, t'as bien appris le latin. Absolument, j'ai un en domaine de savoir et 4 en savoir. Et bah du coup, t'as quelques bases de latin, probablement, quand t'allais à la messe et que... D'accord. Que tu lisais les cantiques en latin. Ex aequo, ex aequo. Ça veut dire, c'est quelque chose de démoniaque. Vidi, vidi, vidi. Néanmoins. Déjà. Néanmoins. C'est quoi Néanmoins, il y a deux choses. T'es sûr. Magie. En farfouillant dans les livres, il y a un texte. Enfin, farfouillant, en prenant les livres qui sont ouverts, il y a un qui est ouvert sur une page et qui attire le regard de celle qui pratique le latin. Le mieux. Je suis bilingue latin. Ouais. J'ai fait latin, LV1. Ce serait marrant que ce soit vraiment écrit en latin et que ben, tu sois en mode alors, tu peux pas lire. Attends, je vais te t'observer aussi. J'ai oublié de te préciser, donc quand tu regardais le curé, tu as pu distinguer que son poing était serré autour, il y avait un petit morceau de tissu bleu. Ouais. Ah bah d'accord. Ouais, je suis liste prudent. Maria, je t'ai interrompu peut-être, non, tu voulais dire quelque chose? Non. Je voulais poser exactement la question de est-ce qu'il aurait pas un truc dans la main. J'ai lu dans ton esprit. Exactement. J'ai trouvé ce texte, mes amis, écoutez. Grâce soit rendue en ce jour-là que le danger posé par le seigneur de Freiberg a été écarté, vraisemblablement grâce aux gens du village, qui sont intervenus rapidement et courageusement pour mettre un terme aux agissements de cet homme. Ce seigneur, dont le nom devra dorénavant plus jamais être cité, jetait des sorts blasphématoires sur les champs devant le village où de nombreux soldats périrent naguère durant une bataille de la Grande Guerre. Lorsque les braves gens confrontèrent l'homme, celui-ci fit apparaître en un clin d'œil une horde de cadavres. Tout d'abord pétri d'effroi, les paysans abattirent leurs simples armes sur les créatures et les vainquirent, de même que le sorcier. Ses restes furent enfermés dans le cercueil de pierre préservé au regard de Dieu dans la crypte de la famille von Walderburg, dans le cimetière désormais cerné par la forêt. Voilà, notre destination, je crois. À côté du marais. Bon, ça me semble assez clair. C'est Freiberg, le nom du noble, Gerold Freiberg. Ouais. Gerold Freiberg. Donc ça doit être le descendant de... Ce document-là, il date du début du XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, 1694. Mmh. Ok, donc concrètement, c'est son ancêtre. Il fait revenir à la vie grand-papy. Voilà. Siegfried qui est resté avec vous, hein, qui s'est assis dans un coin, qui prenait un peu de repos. Et... Ah oui, c'est vrai. Il s'agit d'un Allemand qui a... un ancêtre peu recommandable. Et qui cherche sans doute à le ramener. Ça correspond effectivement à ce que j'ai pu voir ce soir. Ce Gerold aurait acquis des capacités de sorcier apprises par son grand-père. Il a envie de faire revivre la mémoire familiale, je pense. Ouais. Très bien. La crypte des Waldenburg. Vous savez où ça se trouve? Oui, le cimetière. Il y a un vieux cimetière sur les hauteurs... dans la forêt, un petit peu à l'écart du village. Ce n'est pas très loin, si vous le souhaitez, je peux vous guider. Mm-hmm. Absolument. Flemme. Non, on va plutôt retourner à la taverne. J'ai une partie de cartes en cours. Je sais que tu as soif. Est-ce que vous pensez que votre présence nous sera vraiment nécessaire, ou est-ce qu'il serait préférable que vous restiez à protéger ces villageois qui sont réfugiés ici? Ces villageois m'ont accueilli. Je vis avec eux depuis tellement longtemps que je me dois de participer. Ici, tout a l'air calme, les gens sont maintenant cachés. De toute façon, pour mettre fin à ces agissements, nous devons trouver le sorcier qui en est à l'origine. Allez, on prend avec lui. Je viens avec vous. On vous avait proposé un peu plus tôt de vous soigner, peut-être que ce serait une bonne idée. Oui, si nous devons affronter un sorcier... Oui, je veux bien, Je vais me restaurer un instant, et si vous pouvez penser mes blessures... Quelqu'un veut se salir les mains ou... Je peux m'en occuper, j'ai déjà le soin. Je fais ça très bien. Siegfried, il vous reste des cases libres dans votre premier soin, s'il vous plaît. Donc je relance. Tu peux refaire un test. Moi, je suis venu comme toi. C'est genre, toi, tu fais des soins, mais t'es genre... deux réussites et une étoile. Deux réussites. Donc du coup, tu... Trois réussites. Non, une étoile, c'est vrai. Ouais, mais... Non, ça c'était déjà là à côté. Ah d'accord, pardon. Il veut tricher. Tricher un peu. Donc voilà, tu fais quelques petits bandages rapidement
à Siegfried qui va boire un verre. Il y a un pichet avec de l'eau. Il boit un petit coup et il vous fait signe qu'il est prêt à reprendre. Il se redresse avec ses armes. Est-ce que Siegfried, il a une épée magique? Il a de belles armes. Il a de belles armes. On sent que c'est un guerrier expérimenté, de belles factures, même si visiblement elles n'ont pas servi depuis longtemps. Mais voilà, il se sent renforcé. Puis votre présence le rassure, l'inspire. Et il est prêt à en découdre. Filons vers le cimetière. Ouais, je pense qu'on est ready. Toudoum, toudoum, toudoum. On mange dans la forêt sur la nuit. C'est un peu une grande silhouette qui se découpe. Vous surgissez du presbytère. Vous plongez à nouveau dans la brume et vous partez vers l'extérieur. Et alors que vous vous dirigez vers une petite colline boisée, la brume s'évapore, dissipe mieux. Et vous voyez plus clair sur les champs, sur les marais, d'où visiblement les morts sont venus. Au fur et à mesure que vous montez sur la colline, donc vous prenez de l'altitude et vous avez un point de vue donc sur cette petite ville derrière vous, que vous regardez une dernière fois, et vous vous enfoncez sous les arbres. Il y a un petit quart d'heure de marche, si on peut mesurer le temps ainsi. Et petit à petit, vous apercevez des pierres tombales qui apparaissent. C'est assez étrange, hein, c'est pour un humain de notre période de voir des tombes comme ça en pleine nature, mais ouais. On est en pleine forêt, et brusquement, hop, une pierre tombale, deux, qui sont plus ou moins des pierres en des pierres, ou des fois des pierres tombales en bois, enfin des planches plus ou moins pourries. Il y en a qui sont des pierres qui sont fracassées, donc plutôt récentes, encore en bon état. Et un peu plus loin, au fur et à mesure qu'on s'avance dans ce cimetière, il y a probablement des gens un peu plus fortunés qui se sont fait carrément des caveaux. Vous êtes là, tout est calme. C'est le silence. Presque trop, trop silencieux, trop lourd. On est dans un cimetière, dans une forêt sombre. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? On pourrait se séparer. Vous êtes là, donc, dans ce silence presque surnaturel, quand soudain, vous entendez des pas. Précipités. Quelqu'un se prend les pieds dans un morceau de bois, s'affale devant vous, se redresse, une silhouette... C'est imposante, massive. Que vous reconnaissez? Bruno. Il est très sale, il a visiblement été blessé par des griffes. Et sa chemise bleue est visiblement un peu déchirée. Il manque un carré d'étoffe sur la manche. Ville créature. Si vous voyez, encore vous en train vous de m'avez fait peur. Ville créature, hein, tu es bien sale, mais c'est normal pour une ordure de ton espèce. Bruno, tu n'es vraiment pas le dernier trou de la flûte. c'est trop horrible ce qui se passe. Et il faut que vous m'aidiez. Attends, on a retrouvé un morceau d'étoffe de Bruno dans la main du prêtre, c'est ça? Ouais. J'ai un peu d'eau bénie sur les doigts, je suis genre... Parle, dis la vérité. Mais laissez-moi, ils sont là. Ils vont nous détruire. Oui. Je prends mon pistolet, je lui mets devant le visage. Tu vois ses yeux qui s'agrandissent comme ça? Qu'as-tu fait du prêtre? Bonne idée. J'en sais deux. Prêtre, mais ce n'est pas ma faute. Dépêche-toi. Je ne voulais pas. Attends, moi aussi j'ai un pistolet, je pointe aussi sur Bruno. C'est vrai que moi aussi j'en ai pas, mais je prends un pistolet sur Bruno. Je vous fais pas faire d'épreuve. Vous êtes suffisamment convaincant. C'est dans le dos comme ça. C'est Freiberger. Il est dingue. Il voulait l'interroger. Il m'a demandé de le brusquer un petit peu. Et le prêtre, il s'est pas laissé faire. Alors là, il m'a échappé, il est tombé en arrière et il s'est fracassé la nuque. Oui, et tu n'y es pour rien, c'est un malheureux accident, bien sûr. Bien sûr, mais vraiment, je lui enfonce le poing, c'est bon. Non. C'est contre les dents, là. Ah, non, pitié. Pitié, laissez-moi. Dis-nous tout ce que tu sais sur ton maître. Il voulait aller au presbytère, mais le curé ne voulait pas lui laisser accéder à ses bouquins, là, alors... Alors voilà, ce soir, on y allait. Et il a fallu que je le malmène un peu, ce pauvre homme qui a toujours été aimable avec moi. Mais voilà,
Il a résisté et le curé est mort. Et après, bah, Freiberg, il a fouillé dans les livres et il a trouvé ce qu'il voulait, visiblement. Et on est venu ici, il m'a demandé de le guider jusqu'à... Et bien sûr, tu l'as fait. Bah, évidemment, il me menaçait. Avec quoi? Avec son arme et sa sorcellerie, là. Ah, c'est dommage, on en a plus. Mais vous avez vu, tous les morts, il est capable de soulever les morts. Moi, ah, okay. Et nous, on est capable de les anéantir. Je l'attrape par le col, et genre, je le colle à moi, comme ça. Et tu sais, je le secoue un petit peu. Et je dis, où est Freiberg? Où est-il? Là-bas, le caveau de son grand-père. Je tourne la tête lentement, comme ça. Je zoome sur mon visage. Tu te retournes, effectivement, dans la direction qui indique un beau gros caveau. Est-ce qu'on pourrait pas piéger Bruno et le renvoyer pour faire sortir Freiberg? On lui met du C4. Ouais. On fait exploser le caveau. Rien, personne n'a des explosifs des âmes là. Je crois qu'on a pas de couteau. Non, vous avez pas de choses de ce genre là. A-t-il réussi son entreprise avec le livre qu'il a pris chez le prêtre? Je ne sais pas, j'ai filé là, je sais qu'il veut relever son grand-père, comme il a relevé les morts. Oui. Et je ne sais pas ce qu'il a prévu après. Je crois qu'il veut se venger du village pour ce qu'ils ont fait à son grand-père autrefois. Qu'est-ce qu'ils ont fait à son grand-père? La même chose qu'on va lui faire. Oui. Arrêtez. Son grand-père avait évoqué les morts et le village. Les a tous massacrés, les morts et le grand-père. Il faudrait peut-être se presser. Oui, on verra. Okay. S'il est en train de faire un rituel juste à côté. Je lâche. Ah, il vient avec nous. Ok, ah, oui, ok. Moi, je le reprends. Pas le l'ancienne. Passe devant. Oui, mais ne me faites pas de mal. Tu te tais, tu nous, passes non. devant. Je vais vous montrer. Et vous vous avancez et vous remarquez que, en fait, sur le passage, il y a des torches enflammées qui ont été plantées, en fait, pas loin du caveau. Et vous voyez de l'obscurité, des cadavres en fait, ambulants, qui rôdent autour, qui surgissent et qui rôdent autour du caveau et qui apparaissent dans la lumière des flambeaux. De loin, vous apercevez ce que c'est écrit en grand, c'est gravé dans la pierre. Waldenburg, donc le nom de la famille. C'est bien le caveau. Du caveau. Accepte ici. Avec une porte en fer forgé qui est grande ouverte. Et évidemment, c'est le seul caveau qui est entouré de morts-vivants. Ce serait pas drôle. Et lorsque vous avancez, il tourne lentement la tête vers vous. Puisque vous attirez leur attention. On n'est pas hyper discret. Ils vous fixent de leurs orbites vides. Et à ce moment-là, vous entendez un rire dément qui émane de l'intérieur du mausolée. Il prend le trip. Vous fait frémir. Quelques instants plus tard, un jeune homme sort du mausolée. Il est légèrement vêtu, il a juste une chemise, un pantalon de plutôt bonne facture, comme s'il avait s'était débarrassé de sa veste et de son chapeau, parce qu'en général, dans la noblesse, des bouts de tricorne, des choses de ce genre-là. Et dans son ombre, surgit une créature qui avance. Une démarche un peu claudiquante, mais beaucoup moins hésitante que les morts-vivants qui traînent autour. Il porte un tricorne sur la tête, c'est une belle veste de noble sur le dos. C'est Jack Sparrow. En dessous, il est complètement emmailloté de bandelettes, à la façon d'une momie. Et donc, il porte ce qui sont vraisemblablement la veste et le chapeau du jeune homme. La peau du visage est dégradé, le crâne a l'air perforé, la peau a l'air grignotée. Et le jeune homme, en sortant, vous aperçoit. Ah ! Des spectateurs. Grand-père brûle d'avoir sa revanche depuis plus de 40 ans. À l'époque, les gueux l'ont attaqué et tué. Maintenant, ils vont payer cette infamie. Vous espérez peut-être vous interposer ? Geralt, rhabille-toi. C'est gênant. On est quatre et tu es un. Pauvre ignorant! Je suis un nécromant. Je vais vous anéantir.
Mais tu vas bientôt être un nécromore. Et quand je dis 4, on est même 6, parce qu'on a... Siegfried. Et Bruno. Et Bruno. On se dit, il y a Bruno, et tu sais, on se retourne, il n'y a personne, et tu vois Bruno qui s'enfuit en courant. Il y a Bruno qui... Mais Siegfried, par contre, lui, il est là. C'est vraiment genre, combien de fois va-t-il falloir te tuer? Et nous allons, j'imagine, nous engager dans un combat. Allez, bon... ouais. Je propose qu'on mette Bruno sur Geralt. Au sujet de Bruno et de Siegfried. Lancer Bruno. Un jet de Bruno. Terme technique, petite règle. Lorsque vous avez des alliés, vous pouvez les activer. Donc, pour une utilisation, ils vont pouvoir neutraliser, vous êtes quatre, adversaires, quatre ennemis en bande, de niveau 1. Ok. Est-ce qu'on puissant même Bruno? Lorsque vous le souhaitez dans le combat, donc 8, on va mener un combat normalement, mais à tout moment, lorsque vous le souhaitez, vous pouvez me dire Siegfried nous aide ou Bruno nous aide. Et du coup, il y a, comme par magie, 4 morts-vivants qui vont disparaître sur le plateau de jeu. Mais c'est ça, si jamais il y a 4 morts-vivants sur le plateau. Partout. D'accord. Pardon, c'est dans tout le combat. Ah, ok. Voilà, une fois dans tout le combat, une fois chacun. D'accord. Et ils peuvent servir à autre chose ou ça sera leur unique utilisation? C'est leur unique utilisation. D'accord. C'est allez, c'est parti. Ok, donc on va attaquer le combat, comme tout à l'heure. Donc, on va prendre dans le sens d'initiative. Mm-hmm. Donc, Jeanne en initiative 8, Maria, Klaas, Johan. Il y a 6. Que... C'est moi qui termine. Voilà. Il y a que... Il y a quoi? Il y a des morts-vivants plus le mec, plus son grand-père? Ou il y a que lui et son grand-père? Nous commençons. Donc, nous avons 4 morts-vivants qui sont tournés et qui tournent vers vous. Il y a une horde de morts-vivants, mais pour l'instant, il y en a 4 qui semblent se déplacer vers vous. Et donc, Geralt et Friedrich, le grand-père, qui vont dans ce premier round, se tourner vers vous. Geralt semble vraiment très vif. Et il va agir en premier, en fait. Et le grand-père agira après vous. Ok. Du coup, que fait Geralt? Il fait signe, il fait quelques gestes. Et il va dépenser... Donc, j'ai des points de Hex. Donc, des points... Oh, c'est on les points. Ça. J'ai un meneur qui fait de la magie. Donc je peux dépenser des points, j'ai des points au départ, et qui vont me permettre d'activer des sorts. Et donc là, je vais invoquer, je vais dépenser, allez, 2 points de Hex. C'est pas bon signe ça. Pour invoquer 4 morts-vivants supplémentaires. Oh. Donc vous avez affaire à 12 morts-vivants. Et du coup, cette fois, lui, c'est un meneur. C'est-à-dire, c'est pas comme les personnages, les amis en bande, c'est ça, voilà, ça lui, truc. C'est un meneur. Ouais. Donc là, vous avez face à vous 12 maintenant, 12 cadavres, donc 12 ennemis en bande, que vous pouvez ventiler comme vous l'avez fait tout à l'heure. Et en face de vous, vous avez également 2 meneurs, Friedrich et Geralt, contre lesquels vos capacités qui ventilent des ennemis en bande ne fonctionnent pas. Ok, je propose qu'on se divise en 2 groupes. Il y a un groupe qui s'occupe des morts vivants tout autour et un groupe qui s'occupe des deux chiants du milieu. On peut commencer par déblayer du mort vivant. Qui est bon pour faire du groupe? Nous, on peut se débrouiller pour déblayer les morts vivants. Nous, on est plutôt bon en one-on-one. Moi, je me demande que s'il y a des blessés. Donc, il faudrait que je m'en... Alors, la question, c'est on s'attaque à qui en priorité? Le papy ou... Peut-être celui qui fait la magie. Le plus jeune. Il va peut-être invoquer de plus en plus de... Pendant que vous concertez, moi, je continue parce que j'ai fait un truc, mais je peux faire d'autres choses. Oh là là. Et c'est Geralt qui joue en premier. Oui. C'est Geralt, ouais. Okay. Et Geralt sort un pistolet et tire... Sur Bruno. sur Maria. Ah, super. J'ai pas un truc, moi, pour... Ah non, c'est pas mon niveau. Je peux faire... Normalement, plus tard... Je peux laisser quelqu'un d'autre prendre le coup pour moi. Ah ben, ça aurait pu être Bruno. Dommage. Exactement. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, je jette les dés. Contrairement à tout à l'heure. Je jette les dés, j'ai 4 réussites. Ah, ça sent pas bon pour Maria, ça. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il sait que j'étais la personne la plus puissante de ce groupe. Il fallait absolument me voir. Du coup, 4. 4 réussites, est-ce que tu voulais essayer de faire une esquive? Ah bah oui, c'est vrai que j'ai mes attaques. Mais je peux pas, je peux pas faire une parade et couper la balle en deux. Voyant qu'il te pointe du pistolet, tu peux te dire, oh là, il faut que je plonge. Ah oui, bah je préfère, ouais. Donc c'est une esquive qui va te coûter une action. Ah oui, c'est juste une action, C'est une de tes actions du tour. Ok. Et tu je dois faire un jet. Tu fais une épreuve d'esquive. T'as 0. C'est ça. Ah, c'est super. Oui, ok. Voilà, t'as 0 en compétence, mais t'as quand même ta valeur d'habilité. Donc, ah oui, ok. Tu jettes 4 dés.
Et donc là, je pourrais claquer un point de... Si tu veux, pour assurer le coup et avoir 3 dés Janus en plus. Tout à fait. J'ai trop hâte que tu expliques comment tu esquives la base. Oui. Alors. Hop, hop, hop. Ouh, eh bien, j'ai bien fait. Donc, 3 réussites. 3 réussites. Du coup, tu fais disparaître 3 des 4 réussites. Donc, tu es touché, mais de peu. Tu prends 4 points de dégâts. 4 points de dégâts. Dont tu déduis ton armure. Tu as une armure moyenne. Mm-hmm. Ouais, ça fait. Donc, j'ai 2 PV tampons. Ouais, donc tu. Ah, en plus, t'as des PV tampons. Oui. Ça, c'est bien. T'as des PV tampons et t'as de l'armure. Ouais. Donc, déjà, j'ai une armure moyenne. Ouais, t'as une armure moyenne qui te fait 2 points de points. Donc sur les 4, t'en as 2 qui sont absorbés par l'armure. Et en plus, t'as des points de vie tampons de ton arme, de ton vêtement. Ouh. Tu ne prends rien. Yeah! Donc en fait, je fais une sorte de roue. J'esquive, ça se prend légèrement dans mes habits, ça transperce le truc, je suis genre, oh non, ma capuche! Et je passe, et je fais, et je vais dans l'ombre. Et c'est ça. Et Geralt dégaine un deuxième pistolet. Ah. Et pour sa dernière action, touche. Bruno! Classe! Oh. Ok. Classe! Oula, classe, 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 fais quelque chose. J'ai 6 réussites. Beaucoup, ça. Donc, je vais lancer 6 dés. Je lance mon esquive. Ton esquive, ouais. Et t'as 6 réussites. Donc, je lance juste 6 dés. Je peux utiliser des points de coup, des choses comme ça, mais je suis pas obligé. T'es pas obligé. Waouh, wow, aucune. Oh, c'était triste. Une. Aucune. Ah, oh, aucune. Il y avait une étoile. Aucune, il y avait une étoile. Ok. Ben ça fait mal. 9 points de dégâts. Oh, ok, 9 points de dégâts. Donc j'ai une armure moyenne, donc j'en ai 2 que je retire. 7. Donc 7. Donc je perds 7 points de vie. C'est ça. Donc la balle te touche. Ça me fait très mal. Ouais. Ça me fait très mal. Mais si je perds 5 points de vie, j'ai droit à une riposte gratuite à l'arme d'escrime. Et tu lances ton épée à distance. Je peux. Et en fait, du coup, il a dû tirer alors que tu te déplaçais vers lui. Ouais. J'étais pas très loin. Du coup, tu vois qu'il t'a juste. T'essaies d'esquiver en fait en fonçant vers lui. Ouais. Il te touche malgré tout, donc t'es touché à l'épaule. Mais tu poursuis et t'essayes de l'embrocher. Ok. Donc avant, du coup, tu rentres en contact avec lui. Alors avant ça, j'ai ma motivation me permet d'avoir un combat d'échanger des coups et des coups pour des idées et inversement. Ah oui. Donc on peut considérer que je l'ai fait. Ouais, on va le faire. Donc je transfère le point d'idée qui me reste sous forme de coup. Et donc je vais l'attaquer à la rapière. Donc 8 plus 3, 6, 7, 8 plus 3. Je peux mettre autre chose. J'ai après une attaque et l'arme de screen, donc j'ai pas ça encore. Donc je suis lié. Et... Ah ben voilà, parce que vous n'avez pas un super et truc de dé. C'est un corbeau en bas. C'est un corbeau. Donc j'ai... C'est vrai en plus. 3 corbeaux et une réussite, donc j'ai 4 réussites. 4 réussites. Ouais. Ok. Réussites. Et ben du coup, tu le touches, puisque lui, il n'a plus l'action, il ne peut pas esquiver. Mm-hmm. 4 plus les dégâts de base de ton arme. 2. Ouais, 2. Ça fait 6 points de dégâts. Ok. Et lui, il a remis, comme je voulais dire, en simple chemise, donc il a un point de dégâts. Parce qu'il a une méga estafilade. Okay. Ça lui fait 5, ouais, donc du coup, tu rips lui, tu rips sur son torse. Et comme j'ai fait une attaque à l'escrime, j'ai mon initiative qui monte dehors. Mm-hmm. Yes. Donc tu passes. Oh, est-ce que tu lui fais un K sur le torse? Ouais. Parfait. Donc du coup, tu as fait ta réaction. Lui, il a épuisé ses actions, donc on va passer maintenant à vous. Mm. Alors, est-ce que je peux essayer de, je vais essayer de l'achever en fait. Vas-y, je t'en prie. Tu peux enchaîner puisque vous êtes. Je vais essayer de lui mener. Donc là, je vais essayer de lui mener 3 attaques. D'un coup dans la tronche. Immédiatement. Voilà. Chaque fois qu'il y a un ennemi qui sort une arme, je fais non, pas Bruno, arrêtez. C'est notre chef. Sans lui, on est perdu. Je tiens ça à lui. Non, ne lui faites pas de dégâts. Sa chemise bleue est tellement précieuse. Alors sur cette attaque là, je fais. Ça, c'est pas mal. 3, 4, 5. Je fais 6 réussites. Pas mal. 6 réussites. 6 réussites. Ok. Donc 6 plus 2. Donc 8, ça fait 8 points de dégâts.
Il est toujours debout. Ah oui. Sur la suivante, je lui fais 5 réussites, donc 7. Ok. Il est immunisé. Il est coriace. J'en fais une troisième. Vas-y, fais ta troisième. Quel sourire. Il doit être immunisé, il faut tuer le papy d'abord. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 réussites plus de 10. Yes. Du coup, ok, donc tu t'es précipité, t'avais fait ta contre-attaque et t'as engagé. Alors lui, comme t'es arrivé sur lui, il a laissé tomber de toute façon ses deux pistolets déchargés, il a sorti sa rapière et ting, ting, vous êtes engagé dans un combat, t'avais pris la main, donc tu l'as débordé, donc tu le zèbes en fait. Ouais. Tu lacères la chemise qui part en miettes, en lambeaux, il y a du sang qui vole, hein, tu le touches, hein, clairement, tu lui infliges des blessures. Mais lui, il grogne. Ouais. Jamais vous ne pourrez me vaincre. Et ping, et voilà, vous voyez, donc ils sont engagés dans un duel. Votre chef est dans. Normalement, c'est un truc de cap et d'épée où ils se battent hyper longtemps, ils partent et ils reviennent. Ils montent sur les tombes, en fait, c'est ça, ils sur le toit. Ils sautent d'une tombe à l'autre, ils s'envolent. En tout, il a perdu une vingtaine de points de vie là quand même. Avec la musique de Pierre Descartes. 23. 23. mais il a l'air vaillant toujours. Quoi. Ça, ouais. Bon, il a reculé, hein, après il a reculé, okay. Sous tes coups, pof, il saute du machin et. Mais il est fou. Ouais, je pense que il doit être son grand-père doit être une source de régénération ou d'immunité ou je ne sais quoi, parce que moi j'ai 13 points de vie. maintenant j'en ai 6 si tu veux. Mais lui, il a perdu quasiment le double de mon nombre de points de vie maximum. Je sais pas combien vous en avez, vous, 14 14 ouais. 20. Grand-papy, ouais, il est en train de chier. Très, très solide. Et grand-papy, bah, il est derrière et il se prépare à agir aussi. Ouais, moi je pense pas, hein. Je vais essayer de tuer. Et écoute, ma dernière action, je vais l'utiliser pour faire une défense, préparer encore une défense. Encore une action. Ouais, tu la gardes de côté. C'est mon quatrième point d'action. Est-ce que je peux en faire autre chose? Non, je peux pas attaquer. A priori, non, t'as pas d'action spéciale. Jeanne? Eh bien, moi, je vais essayer de dézinguer du mort-vivant là-dedans. Mais oui, parce qu'il y en a 12. Il y en a 8. Voilà. 12. Il y en a 12. J'avais 4 de base et j'en ai invoqué 8. Je vais faire une pluie de feu et je vais utiliser une idée pour améliorer mon tir. Concentrez-vous sur la liche. C'est parti très loin. Ah, il y avait un soleil. Ah mince, ah. J'ai 2 Janus et 2 corbeaux, donc 4. Du coup, ce qui fait qu'il y en a 4 qui sont désinguisés. Donc tu tires ta munition. Oui, je fais une roulade, je tire et en fait je lance une balle spéciale que j'ai qui fait des éclats et qui en balaye 4 maintenant. Ça fait voler 4 morts-vivants. C'est ça. Et bien évidemment, après je fais tourner mon mosquée, je souffle et je recharge très rapidement. Et tu recharges immédiatement derrière. Pendant qu'il recharge. T'as encore une action? Parce que j'allais dire, le mousquet, je sais déjà plus. C'est 3 points d'action. C'est 3 points d'action. Okay. Après, je peux utiliser une fois par combat gratuitement, un tir gratuit, mais je vais le garder pour le prochain tour. Très bien. Et du coup, il te reste une action, je crois. Je vais la garder pour défense. Donc, je vais me mettre le plus haut possible en haut d'un caveau, prête à tirer pour surplomber mes ennemis. Maria. Ouais, moi je suis en train de réfléchir si je laissais pas mon tour à Johan. Tu vas attendre voir. Je peux juste décaler de 1. Tu peux attendre. Tu me dis même pas de combien. Tu me dis pour l'instant, j'observe et tu me dis quand tu veux agir. En fait, okay. Tu auras la priorité. Si même à un moment donné je dis la momie va, tu me fais. J'y vais. Non, ne le fais pas. Parce que du coup, tu es retardé, t'as la priorité. Ok. Tu agis quand tu veux à partir de maintenant. Ok, ça roule. Du coup, Johan. Moi, je veux trop faire un tourbillon et taper plein de gens en même temps. Ouais, je sais pas, je vais me diriger vers un mort-vivant et je vais, pareil, lui asséner un immense coup dans le thorax en espérant lui faire exploser le torse avec mon arme d'ast. De toute façon, enfin, ou alors j'utilise l'épée, je garde l'arme d'ast pour plus tard. Non, vas-y, je vais réutiliser l'arme d'ast, c'est le plus simple, c'est le plus marrant à utiliser. Et du coup, je vais dépenser un coup pour pouvoir prendre 3. Hop, dés de Janus, et j'ai déjà 7 avec mon arme d'as, donc 3, 6, 7, allez c'est parti. Ah pas mal, 1, 2, oh j'ai fait tous les dés de Janus, 3, 6, ça fait 6 réussites, et mon dégât d'arme c'est 6. Donc du coup donc, tu t'es rapproché d'un mort vivant, ouais. Et tu le frappes de toute ta puissance et tu l'éclates. À 12, ouais. C'est... Oui. Tu prends littéralement en deux, t'as des morceaux qui volent partout. Ah bah super. Encore un petit peu de sang pour le maquillage.
Ok, bah du coup j'ai terminé mon tour. C'est ça, t'as ça. Terminé ton tour. Vient le tour de Pépé Friedrich, le grand-père de la momie, qui s'avance, qui est plus mobile que les morts vivants, et qui s'avance. Il s'avance vers qui? Parce que je vais sans doute intervenir right moi now. Moi aussi, je peux le lier, moi. Qui s'avance vers toi. Oh non. Je peux pas, enfin oui si, mais je peux pas le dire si ça s'avance vers moi. Qui s'avance vers toi, toute griffe dehors. Et qui t'attaque donc avec ses griffes. On a tous un papy comme ça. Hein. Ah non. C'est le papy croche-patte. C'est le tonton. C'est le tonton gênant. D'accord. À Noël. D'accord. Ah. 400. Ah. Moi, je vais probablement mourir au plus. Ouais. Normalement, t'as rien de particulier. Tu peux je sais pas te si je prends tenaille c'est lui qui l'attaque. Donc, je fais cette réussite. Donc, je te fais 12 points de dégâts. Non. Bah, mais bon, ils arriveront. Mais je me demande s'il faut pas que je tue ton gars. 12 points de dégâts. Peut-être. On essaye peut-être, mais j'ai peur. Et un truc beaucoup moins drôle. Soit immortel. Donc, 12 points de dégâts moins ton armure de 3. Ça fait 9 points de dégâts. Il faut éliminer la momie d'abord. Non, genre, quand j'utilise mon armure d'âge, j'utilise tous mes points d'action. Donc du coup, 11. Non. Et surtout... Attends, 9 points de... Si. C'est 9 points de dégâts que tu encaisses. Ok, donc c'est bon. Et surtout, ouais, j'ai peur là. Et surtout, tiens, je te laisse transmettre... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, petite nouveauté. Tu peux la tirer à toi. Steve, tu prends 3 niveaux de paralysie suite à ça. Donc en fait, il arrive, il te saute dessus avec toutes ses griffes, il te plante ses griffes dans la peau et tu sens que ça te fait très mal, ça rentre dans tes veines, en fait, tu sens que c'est très très douloureux, tu te sens comme si ça te crispait en toi, comme si tu paralysais. Tu sens que tu peux agir beaucoup moins vite. Et donc, avec ces 3 niveaux de paralysie, tu peux agir beaucoup moins vite puisque tu perds 3 actions. Alors oui, mais j'ai effectivement quelque chose qui s'appelle inébranlable, qui est une capacité tenace, qui dit que même avec des niveaux de paralysie, je dispose toujours d'au moins un point d'action. Effectivement. Donc là, tu es en difficulté parce que tu peux quasiment plus te déplacer, tu n'as plus qu'une action. Alors là, tu viens d'agir, donc tu n'as de toute façon plus d'action ce tour. Mais au prochain tour, si tu n'arrives pas à te débarrasser de ces niveaux de paralysie, tu ne pourras quasiment pas agir. Bah, je peux même plus. Ouais, tu pourras plus te battre. Je peux faire un coup de poing. Voilà, tu peux juste faire un coup de poing ou une défense. Alors, je te rassure, à chaque fin de tour, donc on arrive à un truc qu'on appelle le niveau Nini 0. On peut essayer de se débarrasser de la paralysie en faisant un test pour essayer de se débarrasser de ça. Pour chaque réussite, tu perdras un niveau de paralysie. Ok. Du coup, moi, j'interviens. Et du coup, tu interviens. Oui. il a l'air, du coup, un peu en situation critique, notre cher ami. Oui. Au début, je me dirigeais vers le magicien pour essayer de sauver notre chef. Et comme Johan, c'est la personne quand même qui m'a sauvé à la base, je me précipite dans le dos du méga monstre et je lui plante ma rapière entre les deux omoplates. Oui, s'il vous plaît. Fais donc. Du coup, vu qu'il est lié à lui, ça fait directement une tenaille, c'est ça? Ça fait une tenaille, oui. Ok. Donc, je vais juste dépenser. Donc, t'as un bonus de 2. Donc, de base, j'ai 2 de Janus. Et si tu dépenses un point d'action pour te concentrer, tu as 3. Et je fais pas le point d'action pour me concentrer, mais pour faire mon assassinat, pour que les petites étoiles, ça compte. Yes, ça marche. Alors. 6. Hop, hop. Et voilà. Allez. Heureusement que les petites étoiles, ça compte. Non, ça va. C'est bon, ça. 5. Pas mal. 5. Pas mal du tout. Voilà. Plus 2, 7. 7 points de dégâts. Ouais. Sur notre gros méchant. Ok. Donc du coup, tu fous un coup de rapière dans le dos. Mm-hmm. Ça l'émeut pas du tout. mais il bronche même pas. Il veut juste... Ok. Tu peux continuer, t'as d'autres. Oui, c'est vrai que j'ai d'autres attaques. Ouais, bah je vais continuer à le taper. Hein. On va refaire ça. Juste, j'en profite parce que, comme je disais, Johan pourra essayer de se débarrasser de ses points de paralysie tout seul en fin de tour. Vous pouvez aussi l'aider parce que c'est par exemple en le frictionnant, en étirant, en l'aidant.
Parce que des fois, la paralysie, ça peut être des trucs qui en servent. Enfin, voilà, donc c'est à nous d'interpréter. Mais tu peux l'aider, donc, du coup, avec une épreuve de démonstration de force. Aha. En gros, en le secouant, en le tirant. Ah ouais, je peux faire ça. Ouais. Bah, je fais ça. Alors, voilà, je te le dis, t'es pas obligé de le faire là maintenant, mais c'est pour dire que c'est partie des choses que vous pouvez faire pour l'aider. Et pareil, chaque réussite au test... Je peux faire ça pendant le combat où je suis avec le gros monstre. Ouais. Bah, ça même sans être au contact. Enfin, ouais, là, elle est au contact du papy. Ouais. Et comme il est à côté, il a très bien. Bah, en fait, c'est un peu comme s'il était tenu en étau par l'autre et que moi, j'essayais de donner des gros coups dans les bras pour essayer de le. Tu le lâches. Allez, c'est parti. Et cette fois. Ah non, mais attends, du coup. C'est démonstration de force. C'est démonstration de force, donc c'est 4. Donc pour chaque réussite que tu as, il perdra un niveau de paralysie. Ah ouais, bah. Ah oui, non, du coup, c'est toujours des coups. Alors, faites attention dans les dépenses, hein, parce que ça va vite. Et Ouais, mais là, après, il ne pourra plus du tout attaquer si... Bon, je le tente comme ça. Oui. Allez. Non. Bon, ben, 1. Oh. Une réussite. Donc, tu perds déjà un niveau de paralysie. Ah bah. Collé à ton bras. Hop, il t'en reste plus deux. Ok, et je redonne, je refais une attaque, cette fois-ci, sur la bestiole. Et j'utilise un point pour en faire 3. Allez, fais des meilleurs jets. Ah non, c'est nul. 2. 2. 2, 3. 3, ah oui. 3. 3. Plus 2, c'est ça? Ah oui, pardon, 5. Donc, pareil, tu refrappes. C'est du désespoir. T'as essayé de secouer ton copain, tu redonnes un coup d'épée au passage. Voilà, tu sens que tu rentres dans la chair, mais que lui, il bronche absolument pas. Mm. Faut qu'on finisse le neveu, enfin le... Ouais. le jeune. Il te reste une attaque, Ah oui, parce que c'est vrai que là, j'ai utilisé un point d'action, mais j'ai pas utilisé toutes mes attaques. C'est ça, il te reste une quatrième action. Je peux tirer au pistolet sur celui qui est en train de poursuivre. Tu sais, comme ça, je retourne, je fais « Hey !» Je tire dessus. Tu peux. L'avantage du pistolet, c'est que qu'on soit à distance ou au contact, on peut toujours tirer. C'est l'exception sur les armes à distance, on peut tirer. Ok. Voilà, je peux pas faire ma sournoise avec un pistolet. Hein, non. Ok. Bah du coup, c'est juste 4. Oh ah oui. Allez. Bah du coup, non, ça fait 2. Ça compte pas. Ah, mais c'est bien quand même. 2 plus 3 pistolets, donc 5. 5 points de dégâts. Donc ça, c'était sur un mort-vivant. Non, sur le sorcier. Sur Geralt. Ouais. Donc, tu le vois. Ah oui, c'était celui qui est là. Avec là, tu tires, et tu vois qu'il encaisse un coup. Oh vicieuse. Toi, tu vois clairement, il y a une balle qui l'a traversé. Bon, ça lui a fait une petite blessure, quoi. C'est arrivé sur le flanc, là, mais... Bon, et a priori, il y en a un qui ne sent rien quand on le tape. C'est la momie. On va se concentrer sur le vieux. Ça, c'est l'opium. Hein. Les morts-vivants. Il y a le jeune à qui ça fait quelque chose. Ah, c'est le... Attends, toi, tu combats le vieux? Moi, je combats le jeune. Et j'ai l'impression que même le jeune, on lui a fait perdre beaucoup de points de vie. Mais il a quand même l'air de prendre des dégâts, alors que la momie n'a pas l'air de prendre de dégâts du tout. On a essayé de... Elle prend des dégâts, c'est juste qu'ils sont de mastoc. Oui, on les chatouille. En fait, voilà, c'est aussi, pour vous éclairer un peu sur Exxon, les meneurs sont toujours gavés de points de vie. C'est le big boss, donc ils sont toujours, c'est un peu un équilibre. Non. C'est-à-dire qu'ils se défendent pas, mais ils peuvent encaisser beaucoup. Ouais, d'accord. Avant que les zombies arrivent, est-ce qu'on peut pas utiliser Bruno pour en dégager 4? Oui. C'est une très bonne idée. Là, j'ai 7 zombies, enfin 7 morts-vivants qui sont sur le point de vous attaquer. On peut pas utiliser les alliés contre les boss. Non. Bon, on utilise les deux pour neutraliser les... Alors là, il en reste plus que 7. Ouais. Potentiellement, avec chacun, vous pouvez éliminer 4. Vous utilisez les deux tout de suite. Ouais. Donc là, vous pouvez en utiliser un pour en dégager. On en utilise un, il en restera 3. Et on garde, parce qu'il va y avoir une nouvelle vague qui va arriver à tous les coups. Ok, donc il y a Siegfried qui est au combat, qui se bat à côté de vous, qui donne des coups d'épée, qui des coups d'albarde, donc les morts-vivants dégagent au fur et à mesure. Donc du coup, il en reste 3 là qui vous attaquent. Tu les prends? Oui, ça allait avec plaisir. Je les lis comme ça. Plutôt que de faire un par un. Ouais, je les lis les 3. Il te reste 3 places, tu peux pas en prendre plus. Bah, c'est bon. Je lis les trois morts-vivants à moi pour pouvoir après les attaquer et pouvoir potentiellement faire un tourbillon, on ne sait pas, peut-être. Du coup, comment je fais là pour me débarrasser de mes points de paralysie? C'est maintenant ou pas? Alors, nous avons fait tout le monde agi, donc effectivement, nous arrivons en mini-0.
Ah bah si, oui, parce que comme tout à l'heure, ils sont attirés à toi, mais maintenant il faut qu'ils attaquent. Et qu'ils t'attaquent toi en particulier. Ah, je regrette. Et du coup, là je ne jette pas les dés, ils font systématiquement 4 points de dégâts, donc 1 point de dégâts, donc tu prends 3 points de dégâts. Ok. Merci, je sais pas calculer. Et là, ouais, tu peux essayer de te déparalyser. Allez, et donc, nous arrivons en INI0, et en INI0, tu peux faire un test d'acrobatie, pardon. 4. Ok. Allez. Il faut que j'arrive à en faire 2. Allez. Oui. Je les ai tous faits. Ça, c'est beau, ça. Allez, critique. Oui, c'est hyper beau. Ça existe, les critiques, non. À Axon? Non. Pas de notion de les 4, j'ai fait les 4 terres de camp. Parfait. Mais c'est stylé. Les spectateurs sont témoins. C'est parfait, donc tu... Allez, je perds tout. Tu te concentres et tu te détends. T'es... Dans un grognement féroce. C'est ça. Allez là. Et tu fais face à tes 4 adversaires. Ça, c'est vrai à moi maintenant? Non. C'est pas encore à moi? Non, c'est pas à toi, nouveau c'est tour. C'est pas à moi, malheureusement. C'est Jeanne et Klaas qui agissent en premier. C'est pas Gérald. Pardon, Gérald, oui. Ah. Il est là sur le côté. Gérald, oh, de Rivio. Et Gérald, il... Sois maudit jusqu'à la dernière génération. Je pense que je vais prendre cher, là. En plus, j'ai oublié de faire ma croissance, donc je récupère 3 points de hex. La croissance. Donc je gagne des points de hex, donc je recharge mes batteries d'électricité. Non. Si. Et je vais lancer un sortilège du malheur. Allez, je me fais plaisir. 3 cibles. Allez. Oula. Ah. Oula. Ah. Oui, je suis comme ça. Oula. C'est cadeau. Allez. Il me reste 6 points de vie. Hein. Plus esquivé à la Matrix aussi. J'ai l'impression qu'on joue au Uno et que Marc il joue à Magic. C'est ça. Il y en a plus 4, et puis d'accord, je cache le problème. Donc vous pouvez me faire un test de force d'âme pour résister. C'est donc du coup un. Force d'esprit, c'est la traduction. Bon. Tout le monde? Alors, non, pardon, j'ai oublié de dire. Ouais, qui? Maria, Klaas et Jeanne. On peut utiliser un. Oh putain, un point pardon, d'esprit. Punaise. On peut utiliser un point de coup pour ça. Alors, vous pourriez... un point d'idée, pardon, oui. Pour force d'âme, je crois. Volonté. Parce que c'est de la volonté. Mais, mais le faites pas. J'ai une réussite. D'idée, une réussite. Oh, wow. J'ai fait 2 corbeaux. Ah, on est bien. Je fais un corbeau. Un corbeau et une étoile. C'est suffisant. Il me fallait une réussite pour résister. Ah oui. C'est pas possible. En cas d'égalité, c'est nous qui sommes avantagés. On l'a bien fait là, parce que j'ai fait moi les 4 d'un coup. Vous avez fait un chacun. Pas mal. J'aurais pas tout annulé parce que j'ai 1 égale 0. Le malheur est pour toi, Gérald. Alors frustré, Gérald. C'est pas possible. Et donc, magie ne marche plus, sorcière. Ah non, il a plein d'actions lui. Et du coup, il essaie de mettre un coup de sa rapière qu'il a à la main. Il n'y a pas de malus dû aux blessures. De malus dû aux blessures. Non, il n'y a lui pas de concept. Ou toi? Bah, les deux en fait. Mais lui non. Lui c'est ses points de vie en fait qui éclusent tout ça. D'accord. Vous, lorsque vous arrivez à 0, vous n'êtes pas mort, vous n'êtes pas inconscient, vous êtes toujours là. Et vous pouvez descendre jusqu'à moins 11. Ah oui, easy. Par contre, chaque point en dessous est un malus. Ah, okay. Ah, ça va, d'accord, c'est bon, on a de la marge. On a assez de okay. Janus pour 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 réussites. Tu peux te défendre, je crois, t'avais une parade possible. Sainte. Esquive donc, hein. 6. Ouais. Parade. Il vaut mieux que tu fasses parade. Ah, tout à l'heure j'ai fait une esquive, mais parade. Parce que là tu te bats. Là t'es en escrime. Là. Ouais, mais tout à l'heure aussi. Tu pars avec. Tout à l'heure je l'ai joué avec l'esquive, la parade. Si tu fais en fait là, t'auras pas de malus. Parade sans restriction. Ouais, t'as pas de malus à la parade et en plus t'as un meilleur score en parade. D'accord. Bon, j'ai lancé. Parce que tout à l'heure j'ai fait esquive, j'avais lancé 6 dés en esquive. T'as esquivé contre qui? Parce que t'avais pas de. Contre lui, c'est lui qui a attaqué en premier. T'as pas fait d'attaque. Non, il a fait des. Ah ouais, c'était parce que c'était un tir, c'était pistolet. Ok. Ouais, d'accord. Ouais. Donc parade, je lance 4 dés. Donc. Et je peux utiliser un point de coup. Non, t'as plus que ça en rapier. T'as 8, 7. Non, ça dépend s'il utilise l'épée. Ah, on part avec notre. Donc je peux parer avec la rapière. Attribut, ouais, tu pars avec la rapière. C'est juste que t'as moins 1. Tu pars avec ta rapière, donc. Ok. Parade moins 1 par adversaire lié au-delà du premier. D'accord, donc j'ai 8 dés pour okay. Si t'as un adversaire. C'est moins 1 au-delà du premier adversaire. D'accord. Ouais, donc du coup, t'as toutes tes dés. 7, 8,
Ok. Et je vais utiliser un point de coup pour rajouter 3 dés. Minable. Je fais 3 succès. Ouais. 3. Et bah c'est bien, il n'y a que 2 qui touchent. 2, 4, je te fais 4 points de dégâts. Moins 2, donc t'as 2 réels. Je suis bien. Ah, ça commence à tout. Non, tout va bien. Très bien. Donc Geralt a fini. Ah, tu as peut-être commencé. C'est la bonne nouvelle. Ouais. Et donc Jeanne et Classe. Laissez commencer. Ouais, j'y vais. Je pense que t'es en urgence. Bon. Pression, je peux lui tirer dessus. Je vais, lui faire 3 attaques. Elle est la botte de Nevers. Hop là. On va voir si c'est là. Je mets tout ce que j'ai là. Crossover. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je fais 6 succès plus 2. Donc 8 sur le premier. 8 sur le premier ? Ouais. Ok, et eh ben 8. 8 plus tes dégâts. Non, c'est les 8 ça, en tout. Ça, c'est 8 6 avec 2, les dégâts. 8. Avec les dégâts, 8. Okay. J'ai fait 6 succès plus 2 de dégâts. Ça tombe pour moi. La deuxième. Neuf. Neuf. Lisa, mais j'ai pas compté les points de vie, mais là, il est à... C'est notre chef. Sept. Comment tu le fais ? Ah, il est en quel état, lui ? Quelle est son attitude au moment où je vais porter ce dernier coup ? Il est confiant. Ouais. Toujours, t'as l'impression que tout du long du combat, en fait, malgré les coups, les blessures qu'il encaisse, il est survolté, t'as l'impression qu'il se sent supérieur. Il se sent divin, il se sent immortel, invincible. Je l'attrape par la nuque, je le rapproche comme ça de ma tête. Je lui dis, Geralt, malgré ta sale gueule, toi et moi, on a un point commun. On est très attachés à notre famille. Et on a très envie de les retrouver. Et je plante ça, tu vois, dans le foie, quoi. Ouais, tu traverses. Ah. Retrouve ton papy. Et là, pour la première fois du combat, tu me vois dans son regard. Il crache du sang, il comprend pas, il est immortel, c'est pas possible. Il retire de... Et regarde le grand-père qui, du coup, lui, était lié à toi. Ouais. Et qui était en train d'essayer de t'agripper. D'ailleurs, en fait, il venait de voir un truc bizarrement, il était en train de regarder ailleurs. Et le grand-père, brusquement, s'arrête, les morts vivants, yes. Il tombe. Et il bascule en arrière. Et... Non, ce n'est pas possible. Et je le dépose délicatement, tu vois, presque respectueusement, ouais. Au sol. Et il s'arrête. T'as raté une occasion de. Quand on était dans un truc et tout, de dire ce tombeau sera votre tombeau. C'est clair. Ah ouais, ça aurait été bon. Le calme est revenu instantanément, donc les morts vivants se sont effondrés. Et tous les morts vivants qui étaient autour, encore, parce qu'il y en avait d'autres, qui n'avaient pas été commandés par Geralt pour vous sauter dessus encore, c'était prévu, mais il n'a pas eu le temps de le faire, s'effondrent. Le grand-père, c'est. Tout droit, il est tombé. Et face contre terre. Bruno en revient un peu. Il fait demi-tour, il se barre. On va se tourner vers Bruno. Bruno, c'est vrai, vous rejoint. Il va faire face à ses actions. Bien joué, les amis. Voilà qui est combattre. Je pense qu'il serait plus prudent de brûler ses corps avant de les mettre sous terre. Comme ça, on les relève plus. Voilà. On n'attend pas qu'il y ait le petit-fils qui revienne pour faire revenir toute la famille. Je suis complètement d'accord. Un bon bûcher, et nous serons débarrassés. Voilà. Je suis heureux que vos pas vous aient mené à Jakobsheim, aujourd'hui. Puisse ce village retrouver la paix. C'est certain, avec ce que vous avez fait ce soir. Moi, à travers les flammes, je veux qu'on voit mon visage, et que je me tourne vers mes amis et que je dise « Cette bataille est terminée.
Mais la guerre ne fait que commencer. Et là, la musique qui monte. Et là, le générique. Là, le générique débarre. Excellent. Et dans le fond, moi, je rends sa carte de triche à Bruno. Ainsi se termine la nuit de l'horreur. C'est très, très bon. Ouais, petit scénario bon. Pour Excel. Merci Marc. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est très, très cool de voir comment vous vous êtes emparé de ça. C'est très, très chouette. Et j'espère que vous, spectateurs, vous avez également apprécié ce jeu. Que donc nous allons vous proposer prochainement. Il y a un côté très ludique avec, avec ce système de ouais, pions, de jauge, de points d'action un peu, mais en même temps ça va vite. C'est très jeu vidéo, ouais. T'avais raison. Ouais. Ah, juste avant, tu t'as dit, les règles elles font très jeu vidéo, mais effectivement c'est très, tu utilises tes points d'action, tu fais des trucs, tu utilises tes réactions. Tu peux faire des bons combos avec tes potes, c'est très coopératif. Très très cinématique, on voit le truc, on vit dedans, on est à fond, c'est trop bien. C'est très très chouette. Effectivement, il faut juste le petit temps d'acclimatation, vous avez vu, il faut arriver à saisir les quelques capacités que vous avez, voir comment elles peuvent se coordonner. Mais petit à petit, quand vous commencez à les connaître, on voit que hop, il y a une synergie dans les actions. Ouais. C'est hyper bien pensé. Bon, je suis désolé, le tourbillon de la rampe. Parlons-en. Moi qui avais très hâte de faire tourner mon truc comme ça. Et là, je te sentais, t'étais chaud, t'étais parti. J'étais hyper chaud. Et en fait, non. Finalement, non. Si, en narratif sur le deuxième combat. On est plus fort en narratif, évidemment. Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup à tous. Merci à toi. Merci à toi. Et puis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir. Salut. Salut.